Amis téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Écho des arts, plus précisément dans la rubrique artisan. Dans Ritzkinam, nous avons fait une petite visite spéciale dans le jour qui était 16, 17 et 19 décembre 2021. Côté plusieurs organisations, nous avons mis tête ensemble pour organiser un salon de Noël. Avant de découvrir belle image, nous avons pris une petite pause et puis nous avons tourné. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45 p.m. sur la Télé-Pacifique à l'heure de l'émission Écho des arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, potin de star, tout est au rendez-vous à Écho des arts du lundi au vendredi à partir de 8h45 p.m. Reprise 1h30, 1h45 a.m. 7h30, 7h45 AM. Écho des arts, votre projecteur artistique. La création force des artisans, c'est sous thème ça, force à te dérouler. Côté plaisir artisan, te vient exposer Zevio. Te gen poterie, te gen bijoux, te gen tableau et la trier. Ensemble avec, on a le fourni jigade qui j'en sateye. Une activité qui c'est deuxième édition en bas initiative Dr Magui Dioussé pour nous dégager l'esprit de Noël à travers l'artisanat. Donc c'est une activité pour nous rassembler, mais pour nous faire promotion pour création artistique pour artisans noyoto. Étant donné que nous connaissons la situation pays en déroulé, nous-mêmes qui défait nous joignent avant que nous organisions. Bon, c'est difficile, ça c'est sûr. Le secteur événementiel en soi, il y a un pile qu'on a un moment, donc c'est très difficile, mais volonté que Magui gagne à travers l'équipe, l'énergie dégagée, vient consolider nous, pour nous paraître seulement mauvais côté, mais pour nous également que l'artisanat doué, c'est un moyen pour le monde vivre en Haïti, parce que nous connaissons le mode de production qui est lié, et ça vient faire. Même si c'est vrai qu'il y a pile difficulté, mais ça n'a pas empêché que volonté de gagner pour nous réaliser la journée, c'est de dépasser tout ce qui a contré comme difficulté. Produit ça, c'est œuvre ou bien œuvre des femmes, seulement des femmes. Œuvre femmes liées, mais c'est produit en cuir seulement. Qui côté atelier ça? C'est collection 1804. Paco, c'est Paco atelier AE. C'est filles seulement qui travaillent là-dedans. Moi-même, c'est marketing, moi fait dans l'atelier. Moi, pas travaille vraiment dans l'atelier. Garçon, je pense que c'est seulement eux-mêmes qui fait tout bagaille. Et pourtant, même filles, nous avons propre talent par nous. Les garçons, oui, mais tant que bon travail, le plus gros travail, c'est filles qui fait. Mon tableau comme ça, normalement, c'est Michita sur les murs, je me concentrer sur les. Son tableau, je fait non mois, dans 2 semaines. Ça va le dépendre. Mais si je ne suis pas sur les, comme ça, tout le doit prendre plus de temps. Okay? Mais si je me dis que Michita m'a peint les formes finales, dans 2 semaines, je vais faire. C'est un sujet que moi imaginer et que moi créer. Okay? Ce n'est pas moi que je fais. C'est des tableaux originaux que. mariage peinture là lui-même m'essayer comme si mélanger yon réaliste avec yon naïf. Je tiens à ce que pendant que je peins réaliste là et puis en même temps tout moins pour son style naïf faut qu'il y ait pile couleur. OK? Et il y a des couleurs que vous joignez dans le tube qui tout mélanger des couleurs et secondaires. Mais il y a des couleurs, tout, c'est obligé de mélanger parce que vu à Haïti, nous manquons de variété de couleurs, on ne peut pas acheter, ou chercher dans tout, et papeterie, des couleurs, on ne peut pas joindre tout ça. Point de contact, et si on a besoin de tableau comme ça, on a besoin. Là, on peut joindre moi sur le numéro, c'est 37 20 23 51, les WhatsApp, et puis 46 48 25 33 90, Billy Gaëtan. Ça, c'est poterie, en fait, communément appelé poterie. Ça que nous utilisons argile pour nous faire. Et nous-mêmes, nous travaillons dans un style différent, qui est le style taïno. Bien que, soit remarqué là, on va gagner une poterie commune dans la tour, c'est-à-dire poterie que tout le monde fait, gagne la tour, mais la spécialité nous, c'est poterie taïno. Poterie taïno, pour qui ça? Parce que dans la zone Ravine-Sèche, il y a un atelier, soit bien atelier poterie de Ravine-Sèche, qui dans zone là côté que dans zone tu gagné indien qui t'a vivre la dernière et puis Fof avec Flasef et décider encadrer zone encadrer jeunes dans zone ça yo et puis les aider yo faire poterie. L'adresse c'est Saint-Marc-Barthibonite, Bois-Neuf, Ravine-Sèche. Le numéro de téléphone c'est 44 31 01 78. Produit sachet avec plastique nous préparer tant que ça même là c'est une sorte de petite poubelle qu'on a balancer dans rétroviseur chauffeur c'est une qu'on ça qu'a fait même là pour terminer mais on est en ouais apparence là quand même ça c'est l'envers là mais c'est produit plastique yo tel que ça et produit sachet avec sachet nous fait produit nous recycler oui produit recyclé donc intéressant donc depuis qu'il a fait travail. Bon, depuis que j'ai 16 ans, on est à 42. Produit ça ou bien, est-ce que c'est œuvre pas ou bien? Oui, c'est œuf, pas même moi voyez imprimé aux États-Unis. Produit où j'enlève qui j'ont réalisé puisque on dit c'est œuf pas. Est-ce que c'est vous même qui fait yo? Oui, c'est moi-même qui fait yo, mais ça a été secret pas. Eh bien, OK, depuis qu'il a fait travail. Moi j'ai un an déjà, oui, c'est alors c'est premier exposé, même j'ai un an là-dedans. Est-ce que c'est vous-même qui réalisez ça comme ça? Bon, nous représentons Mme Judith Estimé-vienne, Jeff Collection. C'est une chaîne de travail que liée. c'est des artisans que yo bail conception et qui fait travail là. Moi ouais que ou gagne une boîte fresco, est-ce que c'est même nous-mêmes dans tout qui produit? Oui, boîte fresco ou café commande là, ou a joindre ni c'est un artisan qui réalise des gamins. Jeff là depuis 2 ans. Okay. Si toutefois que tu as besoin de sac à main dans mon pas qui moi. Vous pouvez contacter nous sur WhatsApp dans 34 16 75 82 ou du moins dans 36 73 79 99. Moi, apprécié comme là parce que je dis à moi quand on gros toto poterie garçon c'est Grégory. Toutes pièces où est-ce que je Grégory me prenne. Donc, il y a un travail que je fais juste pour me présenter. C'est Patricia Dufan. Moi, j'ai un business qui est le Good Stuff, qui travaille avec artisans tant en Haïti, en Afrique également. Donc, moi, j'ai fini dans cette activité sérieuse de sorte que je me rencontre avec belle dame de Grégory, qui a une belle pièce dans là et qui continue le travail, continue la collaboration. C'est une très belle initiative et que jusqu'à présent, je suis très satisfait. Sous la valise, je suis en plein là avec Grégory. Grégory n'est pas sous table là. Et encore pour moi, donc, la raison qui fait là, c'est rencontrer avec les artisans, montrer pour Dieu, pas seulement national, parce que moi, international, et montrer à niveau international également. Produit ça qui n'a pas madame, est-ce que avec qui ça ou même vous faites? Produit ça qui n'a pas madame, même ça sont connes. Mais connes ça, nous-mêmes, nous relèvons, connes brillent, qui te connaissent avec originalité couleur. Son con les mêmes nous n'est que sablé lui était consal pas Jean Blasé madame ça pas compte combien de temps le café avec collier ça et con les nous sablé les mêmes tout con nous ouais gain dessin ça là dedans c'est pas dessin nous mettre là dedans c'est des con yo tout gain design dans tête yo. Merci à vous-même qui t'a vive bel festival culturel ça. C'est le même objectif ça, m'a toujours encouragé nous, supporter produit la caille bail aux valeurs, acheter. Pendant ma première série production Bel Visage qui dirigée par Grégory qui confectionnait bijoux local ça. Pour tout contact, c'est 31 78 49 80. Merci à vous-même qui t'a vive émission ça n'a pas tourné pour l'autre artisan.